Bienvenue dans cette grande aventure YouTube. Je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager pour qu'on aille encore plus loin ensemble. Bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Sissoen. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur GTA V pour une petite revente de 5 véhicules. Tu vas voir, on va essayer de se faire un maximum de pognon. Alors c'est parti. Donc on s'était arrêté la dernière fois, on avait 246 066 $. Donc on va voir combien on va se faire en revendant encore 5 véhicules supplémentaires. Je vais toujours appeler Lester parce qu'il y a toujours des gens sur la carte. Oui, j'essaie toujours quand même de faire en sorte qu'il y ait quand même quelqu'un sur la carte. Sinon c'est trop facile. Donc si jamais on vient me faire chier, ben j'activerai le mode invisible pour ne pas perdre le véhicule quand même. On va essayer de rouler le plus proprement possible pour ne pas perdre de l'argent. C'est quand même le but de la mission, hein, de se faire un maximum de pognon. Donc j'aime beaucoup ce véhicule, c'est dommage, il est pas rapide et pourtant il a vraiment une super belle gueule. C'est l'être 1. Ah non, c'est la FMJ, je suis con. L'être 1, c'est... je croyais franchement ils ont la même gueule. Enfin bref. Ouais, parce qu'en fait, elle a les pots d'échappement qui sont juste à côté des phares. Franchement, je trouve ça excellent. Attention, j'entends un avion. Wow, regarde la fumée sur le garage, c'est pas passé loin. Non, c'est pas grave, on va tout de suite voir combien on s'est fait. Donc, on s'est fait 100 000, t'as vu, j'ai rien perdu. La valeur totale du véhicule est directement arrivée dans mon portefeuille. Je sens que le mec à l'avion, il a pas lâché l'affaire parce que j'entends toujours les avions dans le... Oui, madame. Ok, girl. Ah, bon, bah voilà, c'est réglé, hein. Bon, t'inquiète pas, on va tout de suite passer au deuxième véhicule, hein. On va pas perdre de temps, parce que sinon, c'est la misère. Pendant qu'on est en train de livrer un prochain véhicule, je voulais te proposer un jeu que j'aimerais faire en vidéo, un truc qui me parle depuis pas mal de temps, enfin, depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur le rallye. J'aimerais te proposer un parcours de rallye que tu vas effectuer, que tu vas enregistrer avec soit ta PS4, soit ton HDP vert ou simplement ton téléphone portable. Ce serait pas mal. Et tu me l'envoies directement la vidéo et je pourrais faire un montage. Et en fait, je vais vous confronter les uns contre les autres et moi aussi. Je vais aussi faire la course et on va se confronter pour savoir qui est le meilleur. Si tu te demandes où est le plan, comment ça va se démerder ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, tout sera sur Facebook, peut-être même Twitter, je vais voir. En fait, je vais poster la carte avec le trajet, point A au point B, départ, arrivée. Donc attends, voir juste, on regarde combien on s'est fait là-dessus, on a perdu pas mal de pognon, putain, on s'est fait tirer dessus, bande d'enfoirés. Donc là, on a atteint les 439 184 $. Pour deux véhicules là déjà, c'est pas mal, hein. On s'est vraiment fait pas mal de fric. Enfin bref, pour le jeu, pour le petit jeu, je t'en dirai davantage sur Facebook ou si jamais tu m'envoies une rafale de vidéos, je ferai peut-être même carrément une vidéo dessus. Ah voilà, c'est ça l'être 1, franchement elle a vraiment une belle gueule. Enfin bref, ce sera le petit défi rallye. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu dis ok, moi ça m'intéresse, alors comment ça va se passer ou quoi que ce soit. Putain, je suis poursuivi par des connards. Je t'expliquerai tout dans les commentaires, il n'y a pas de problème, t'inquiète, on va essayer de mettre ça en place. Donc on va continuer la petite revente, on a les connards, ah ouais, donc voilà, tu vois, c'est ça le problème. Si jamais il n'y a personne sur la carte, et ben en fait t'es poursuivi par des connards qui viennent te faire chier. Alors que tu vois, s'il y a des gens sur la carte, t'es pas poursuivi. Et les autres joueurs te font pas chier. Non, j'étais en train de me demander, est-ce que si jamais tu es poursuivi quand même. Quand c'est des véhicules, les véhicules qui coûtent le plus cher, tu vois, niveau catégorie, tu vois, là c'est vraiment le véhicule haut de gamme. Peut-être qu'en fait les mecs ils te poursuivent pas si c'est un véhicule de merde. Combien 536 518, franchement les gars, ça commence à devenir juteux là. Et on a seulement refourgué combien de bagnoles, je crois 8. Il en reste encore 2. Donc ça, est-ce que c'est une voiture? Putain, je sais pas. On va voir si, attends voir, normalement on peut capter sa valeur. 37 000 $, ça c'est pas une voiture, tu vois. Ah non, non, en fait, non, tu vois, c'est pas vrai. Même si c'est un véhicule qui coûte pas cher, eh ben, tu as les mercenaires au cul, enfin des mercenaires, non, des trafiquants qui viennent te faire chier pendant que t'es en train de faire ta livraison. Donc tu vois, quelque part, il est quand même préférable qu'il y ait au moins une personne sur la carte. Comme ça, ces mercenaires viennent pas te faire chier.
Parce que eux, crois-moi, ils te font chier, ils te font vraiment perdre de la valeur. Et si jamais t'arrives à les distancer, ça c'est vraiment pas normal, tu vois. Ça c'est vraiment un truc qui me casse les couilles, parce que si tu arrives à les distancer, ils respawnent devant. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon allez, on a perdu 2000 balles. Putain, tu les regardes la gueule de la bagnole. Ils m'ont défoncé la gueule. Bon, on en est à 571$, 557, on va revendre le tout dernier véhicule. Je revendrai comme ça des lots de 5 véhicules, parce que sur 40 véhicules, c'est quand même énorme. Et peut-être même, pourquoi pas, tu me diras si ça t'intéresse dans les commentaires, pourquoi pas remplir de nouveau le garage pour revendre comme ça des voitures et voir combien j'ai pu me faire depuis le début, tu vois, en revendant les bagnoles. Ça pourrait être intéressant. Dis-moi-le dans les commentaires, comme ça, tu vois, je m'égare pas dans les vidéos et je sais vraiment ce qui t'intéresse. Parce que si jamais tu dis, bah non, je m'en fous, je voulais juste connaître la valeur de 40 véhicules, le reste, je m'en tape royalement, je suis en train de détruire ma bagnole. N'hésite pas quand même à me le dire dans les commentaires, c'est ton avis m'intéresse vraiment, tu vois. Cette chaîne, c'est ta chaîne, tu vois, c'est pas la mienne, elle est vraiment là pour toi. Donc, bon, heureusement, tu vois, les points de revente de véhicules sont en grossièrement toujours les mêmes. Tu vois, ça fait à peu près 10 voitures que je revends et il n'y a que 3 endroits où il faut refourguer les voitures. Donc, combien je me suis fait? Normalement, 600 000. Hein. Même plus, 628 441. Magnifique, franchement. C'est plutôt pas mal. Pour 10 véhicules, on a quasiment atteint les 1 million. Ça va être plutôt juteux pour les prochains véhicules. Enfin bref, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Toutes ces reventes de bagnoles, franchement, c'est plutôt balèze de les avoir et plutôt balèze de les revendre. Je suis pas encore sûr de savoir si c'est vraiment rentable ou pas. De toute façon, je vais essayer de faire des tests, vraiment différents tests pour vraiment savoir qu'est-ce qui est le plus rentable. Mais tu connais Rockstar, ils font toujours en sorte que tout soit relativement rentable pour pas pénaliser, tu vois, une activité plus que l'autre. Ce qui est logique, quoi. Enfin bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner, et sur ce, joue bien. Ciao, ciao.